Masterclass. Je suis trop contente parce que Soukaina ne savait pas si elle allait être là. Là ouais. Et là, c'était pas sûr, voilà. Mais là, c'est confirmé. Je vais venir soutenir ma sœur et après. Du coup, la masterclass se déroule, les filles, le dimanche 14 avril. Donc, trop c'est hâte de vous dimanche rencontrer. Prochain. Dans dimanche, 7 jours. Ouais. Il vous reste 7 jours, les filles, pour prendre vos places. Voilà. Donc, voilà, vous avez 7 jours pour prendre vos places, les filles, sur le site internet que je vais vous mettre juste ici. Vous avez plusieurs moyens de paiement. Donc, tout au long de la masterclass, les filles, ouais, un petit peu. Il y aura plein de choses. Vous allez avoir des intervenantes qui vont venir animer la masterclass. Ça se fait dans une prestigieuse salle à côté des Champs-Élysées. Vous allez avoir des goodies bags. Je vais te donner la vidéo, ouais, comme ça tu la postes. Moi, je l'ai postée. Explique aussi pourquoi c'est une masterclass. Voilà, c'est sur le thème de l'entrepreneuriat, les filles. Donc, pour toutes les personnes qui sont lancées, mais qui n'arrivent pas à décoller leur entreprise, leur commerce, ou les personnes qui veulent se lancer, et ben voilà, en fait là, vous allez voir des intervenants qui vont venir comme Myriam Malone, donc Madame la Présidente, Maïlys Kada qui s'occupe de Pretty Little Thing, vous allez avoir Satiné aussi, donc voilà pour... Vas-y, je vais respirer. Ah oui, attends, qu'est-ce que je voulais vous dire les filles, vous n'êtes... Ce qui est intéressant dans cette masterclass, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un business pour y participer. Voilà. C'est vraiment si vous souhaitez vous lancer. Et que vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas. Là, vous allez vraiment avoir des intervenantes qui vont venir, qui ont explosé en termes de chiffre d'affaires. Combien elle a fait, Myriam Malone, là, 4 millions et quelques. Elle a fait 4 millions de chiffre d'affaires pour une victoire de la beauté. C'est Madame la Présidente, vous vous souvenez, les filles, c'était Légumis que je vous présentais après mon accouchement. C'est une super bonne marque, elle sera là. Vendue chez Printemps, nos Cibé, etc. Donc franchement, les filles, c'est vraiment des superbes. Ouais, ça va être quelque chose de incroyable. Grandiose. On n'a pas fait seulement ça, les filles. Vous allez avoir un buffet pour vous restaurer. Donc vous allez avoir aussi un tea time. Vous allez avoir un show. Vous allez avoir aussi la possibilité de gagner un voyage. Voilà, ouais. Les goodies bags, plus de 350 euros dans le sac. Ouais. Donc, il y a plein de sponsors qui sont... Bon, mes chéris, j'ai trop hâte de vous rencontrer. Ma sœur, elle a organisé un événement de folie, masterclass sur Paris, semaine prochaine. Ça sera dimanche prochain, Inch'Allah. J'ai trop hâte de vous rencontrer, toutes les filles comme qui les sont salons, là. Comme les salons, ça va nous remémorer les salons. Ouais, ça va nous remémorer les salons. Bon, ça sera pas un salon, là, c'est quelque chose de beaucoup plus prestigieux, on va dire, avec un nombre de places limité. Il n'y aura que 200 personnes attendues, les filles. Il ne reste que 20 places avec une place gold. Ouais, il reste une seule. Les goodies bags, ça sera pour les places... Standard non, business plus et gold. Business plus et gold. Il reste des business plus ? Oui, il en reste. Ok, il reste des business plus. Je vais vous mettre une petite vidéo de ce que vous retrouverez dans vos goodies bags. Il y a un voyage à gagner ce jour-là. Il y aura plein de monde, il y aura plein d'invités. Ils vont pouvoir se restaurer, manger. Vous allez pouvoir vous restaurer. Afalfuga. Vous allez rencontrer aussi, il y a beaucoup d'influenceurs qui seront là. Ouais, il y a Youssoussa, on a Laura Naïm, on a Farah Rez, on a Iman Cheta, on a Lookbook Ali, on a plein trop d'autres. Bien. Franchement, je m'en rappelle trop plus, bien. Mais il y en a plein. Franchement, il va y avoir plein d'influenceurs. Ça sera aussi l'occasion pour vous de les rencontrer. Inch'Allah, bref, Inch'Allah. Trop hâte de l'événement. Bon, allez, c'est parti, mes beautés, go Ikea. J'espère que ça va, on s'est réveillé ce matin, on s'est préparé, on est sorti.
Là, on va faire tout le magasin de déco. Voilà, les Ikea, les filles, ils ont tous la même odeur. Les Ikea, les filles, ils ont tous la même odeur. Les Ikea, les filles, ils ont tous la même odeur. Bon, les filles, on a pris plein de choses. On a tout renouvelé. Tout ça, maman va nous faire des trop bons plats, les filles. Je suis trop froide. Ça pour les salades et tout, vous voyez. Enfin bref, toutes les petites bricoles d'Ikea, quoi, les indispensables. On a pris aussi un beau store pour la salle de bain. Les canons, regardez. Ça va trop bien se marier avec. Bon, les filles, on a pris plein de choses. On a tout renouvelé. Tout ça, maman va nous faire des trop bons plats, les filles. Je suis trop. Allez, raconte-nous ton petit story time. Ouais, quand je suis rentrée pour manger à la maison, hein, tu sais que j'avais pas pris de dessert chez maman. J'avais acheté des crêpes, tu sais, déjà faites à Hyper U là. Ok. Je suis venue, j'ai étalé avec ma crème de Bono là, tu sais, de Breakin là. Je la ferme. Je me dis, c'est une bizarre, ça sent charab. Ouais. Et là, je regarde le papier, je vois quoi, rhum. J'ai fait, j'ai trop le zèbre. Donc, déjà, de 1, j'ai niqué les. Après c'est pas grave, je crois. Non mais déjà c'est pas possible, non, parce que en fait moi je me dis tant que ton intention, ouais, c'est pas, en gros, oui, tu vois, et là après... je l'ai vu que c'était ce que je veux dire, c'est pas comme si qu'en gros je savais pas, et du coup bah je les ai jetés et j'ai tué ma crème à Bueno. Pourquoi? Bah du coup parce que j'en ai mis plein dans ma crème. Ah, j'avais trop la rage, du coup j'ai fait ça par story time. Et t'as remangé après? Qu'une mousse au chocolat. On est. Et le ramadan, il nous a. Je sais pas si vous êtes pareil, les chutes. On est foutus là, on est mortes éteintes. J'aimerais trop faire une sieste. Ouais, éteintes, KO. Tu sais que là, ce ramadan là, je me suis flinguée que quand je travaillais à l'usine. Genre là. Je me sentais moins fatiguée que quand je faisais les 3-8. Mais pourquoi c'est comme ça? Je sais pas, c'est cette année. Bizarre. Ouais, cette année, mais tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé, tout le monde. Et en plus de ça, on dort pas le soir. Ah oui, comme c'est on mange ça. Tard, on est à mort. Hier, les filles, blindé, dodo à 5h du mat. Oh, regarde ce que. Les filles, mes chéries, je voulais mettre des extensions pour dimanche, la masterclass. Je sais pas quoi faire en fait. Je mets des clips. Je sais pas si tu veux clips. Pas un beau chignon, tu veux pas? Ouais, mais ça va, il faut des extensions parce que mes cheveux sont. Bah, moi je trouve tout. Enfin, je pense que c'est faisable à faire un chignon avec ça. Je veux une trop belle coiffure pour la masterclass de ma soeur. Je veux être belle dimanche. Dimanche, je veux être belle. Aïe, Glam, elle peut pas nous maquiller. Elle est pas là, ma chérie. Ouais, du coup, c'est qui va me maquiller? Moi j'ai Zara. Ouais. J'ai Christelle pour ma coiffure. Christelle, c'est celle qui vous a coiffé. C'est celle qui m'a fait ma coiffure. Ils sont venus à la maison là. Ouais, ah, oui, voilà, maman. Ah, ils viennent à la maison pour nous préparer? Non. Moi je suis à la salle à 7h45. Tu peux parler tout d'abord. Faut que je voulais là-bas. Mettre des extensions, les filles, mais juste pour cette journée. Après, je les enlève direct. Je mets des clips ou des adhésifs. Mais ça vaut pas le coup de mettre des adhésifs pour adhésifs. Une journée. Qu'est-ce que je suis pas. Ouais, mais je sais pas. Faut. Je sais pas. Oui, mon fils. Les filles, on vient de se réveiller de notre sieste. On est KO. On se réveille un peu tard pour le Maghreb, les filles. On n'a même pas préparé tout avec ma mère, c'est mon père qui a fait. Franchement, les travaux, ça nous a mis dans un état. On est KO. Bon, les filles, on a mangé tard. Après, ils ont fait des pâtes. Waouh, ils ont pris l'escalier, les filles en noir. Ça fait magnifique. J'ai trop hâte de vous montrer, ça fait canon. La cuisine, c'est ok. Ouais, ils ont fait le grand ménage ici aussi, les filles. Je vous montrerai après, je vais manger, je vous montre. Papa, il a fait ça. Ce qui est papa. Il nous a fait des pâtes. Je suis remontée à 8. Je suis remontée papa... à 8. Daoud. 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 Mon fils, il dit trop bien. Daoud. Ouais, elle est bien. Maman, c'est quoi que tu voulais déjà ici? Ça s'appelle comment? Un poêle à granules. Les filles.
ma mère, elle cherche. Elle cherche un insert granule. Parce que regardez, on a enlevé la cheminée ici, il n'y a plus de cheminée. Et du coup, elle aimerait installer un bel insert granule. Et elle ne trouve pas. Elle a fait tous les magasins et tout. Elle ne trouve pas son bonheur. Alors, est-ce que vous auriez des boutiques à nous recommander ou est-ce qu'elle peut trouver des belles cheminées stylées? Islam, viens là, ma vie. Maman, c'est quoi que tu voulais déjà ici? Ça s'appelle quoi? Micro-ondes, elle est finie. Bon, remets beauté, ça y est les filles, on est montées, on a fait des petites finitions, tous les jours on fait un petit truc. Alors, je vous fais le débrief. Là, la cuisine, elle est finie. Il manque juste le micro-ondes, elle est finie. T'es tombée. Il y a un carton, on a des cartons dans des escaliers, il y a que chez nous. Voilà, vous avez assisté à une scène, mon petit frère a failli se péter la gueule dans les escaliers. Donc là, les filles, la cuisine, elle est terminée. La salle de bain, elle est terminée. On est en train d'installer la petite déco qu'on a achetée. Ce qu'on a fait pour la cuisine aujourd'hui, c'est acheter tout ce qu'il faut. Vous savez, les rangements dans les tiroirs, les ustensiles, les couverts. Après, on est parti à Action. On a fait tout ce qui est service de table. On a acheté les serviettes blanches et tout pour la salle de bain. Toutes les petites bricoles, là, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qui manque, les filles? Il manque l'insert. L'insert cheminée, là. Il manque, d'ailleurs, je reçois tous vos messages, mes chéris, merci, vous êtes trop mignonnes. Je vais me poser avec ma mère après, je vais tout regarder. Il manque le canapé, on reçoit vendredi, Inch'Allah. La table à manger, on reçoit aussi vendredi, Inch'Allah. La table basse, quoi d'autre? Il faut qu'on prenne les tapis, il faut fixer la télé, il faut de la déco. Vous voyez là, en fait, là, c'est vraiment les finitions, les filles, l'ameublement, vous voyez. L'entrée, on va faire un petit truc avec une console. Un beau miroir, quelque chose de très minimaliste. On a dit à maman, on veut que ta maison, elle adopte le style minimaliste. Sauf que maman, elle ne sait pas c'est quoi minimaliste. Tout à l'heure, c'était trop marrant qu'il y a les filles. Ma mère apprenait tous les articles en deux fois. En fait, il faut savoir que ma mère, elle a la fièvre acheteuse. Et on dirait qu'elle aime bien quand c'est le bordel. Elle aime trop avoir plein de trucs. On lui a dit, maman, minimalisme. C'est quoi minimalisme? C'est avoir le moins de choses possible. En fait, faut vraiment minimiser. Les ustensiles, etc. Il faut vraiment que ce soit simple, épuré. Elle aime trop. Nous, on appelle ça le robot. Je ne sais pas si vous dites pareil. Le bordel, tout mettre, plein de trucs et tout. On lui a dit, c'est pourquoi, par exemple, on choisissait les... Comment on appelle ça? Les passoires. Il fallait qu'elle prenne deux passoires. On lui dit, mais maman, en gros, c'est pas ça. C'est prends-en qu'une. Tu vas faire quoi avec deux? Oui, mais si j'ai du monde. Mais non, mais t'as pas besoin. Tu utilises ta passoire, tu la vides, tu la réutilises. Vous voyez que des trucs comme ça. Elle voulait prendre 500 000 choses, on lui a dit non, 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 non. Et bref, du coup, là, je pense qu'elle a compris c'était quoi le style minimaliste. Les filles, on veut vraiment qu'à la maison, maintenant, il n'y ait plus de bordel. Bon, les filles, aujourd'hui, je suis arrivée à la fin de ma boîte. Je voulais me prendre, il n'y en a plus. C'était mon dernier jour, c'était celui d'hier, les filles. C'est deux par jour. Du coup, heureusement que je suis partie dans le sous-sol. Je suis partie retrouver une boîte, les filles. J'avais reçu des colis et tout l'été dernier que j'avais pas pris avec moi vu que j'en avais à Dubaï. Donc, je les avais laissés chez maman. Bismillah. C'est les gummies Mycara, les filles. Du coup, je suis partie de ma routine. Ils sont excellents. C'est des bonbons pour la pousse de cheveux. La pousse des ongles. Vous en prenez deux par jour. Vous allez être choqués, choqués, choqués. Du résultat. Je vous recommande de faire une cure de 3 mois. Moi, là, les filles, je repars à zéro. On va dire que c'est la première. Alors que c'est pas du tout mon premier mois. Ça fait au moins 6 boîtes que j'ai mangé. Mais là, on va dire que j'ai fini le premier mois. Ok, je crois que je l'avais commencé. En plus, le jour, un peu avant que je me coupe les cheveux. Et du coup, là, j'en suis à mon deuxième mois. Donc, je finis la deuxième boîte. Je prends une troisième boîte. Comme ça, vous verrez aussi l'avancée. Ok. Ils sont trop, trop bons, les filles. C'est les plus dosés du marché. Avec 20 000% de biotine. Donc la B7, les filles, la vitamine B7, c'est la meilleure pour les cheveux. La biotine, vous avez de la B12, vous avez de la B6, vous avez de l'acide folique, vous avez de la B5, vous avez du zinc, vous avez de la vitamine C, vous avez de la vitamine B2. Ils sont trop trop bons, vraiment. C'est les meilleurs, meilleurs, meilleurs gummies. Vous voyez là les filles, regardez, là vous avez le tableau, je vais vous mettre un tableau comparateur avec d'autres marques très connues.
En termes de biochim, regardez les filles, il y a 20 000% de RI. Vous avez de la vitamine B12, de la B6, de l'acide folique, de la B5, du zinc. Enfin bref, vous avez tout ce qu'il faut pour vos cheveux. C'est des bonbons. Ils sont extrêmement bons, mais c'est trop bon. Genre, les filles, ils se l'aiment. Un jour, il a goûté. Et à chaque fois, il me ramène la boîte et il me dit bonbon, il croit que c'est des bonbons. Je lui dis non, mon fils, c'est pas bon pour toi. Enfin bref, ils sont incroyables. Bon, du coup, ma chérie, c'est juste pour te dire, ça, c'est l'effet Soukaina. Plus de 500 commandes. Donc là, les filles, elles sont en train de tout préparer. Il y a Toutou qui va partir. On est en train de tout remplir. Les numéros de suivi commencent à être envoyés sur les boîtes mail. Et voilà. Non mais les filles, sérieux, regardez-moi cette pépite, il est magnifique. Avec un petit jean, un petit débardeur blanc, les filles. Il est canon. Ou alors avec la soie blanche, les filles, du site. Tellement beau.